Alors, rebonjour à tous. Ici, c'est Jean qui vous parle du Québec, le maître des couteaux. Cette semaine, alors, je vous retrouve avec notre invité de la semaine, ce grand garçon qui est le SRM Asica, mais le grand Asica. Donc, il y a deux formats de ce couteau-là. Il y en a un qui est très petit, celui-là, je ne l'ai pas. Mais ça, c'est le format pleine grandeur et vraiment pleine grandeur parce que c'est un très grand couteau. Et c'est ce qu'on va revoir cette semaine. C'est vraiment un couteau qui sort de l'ordinaire, qui est très difficile à trouver en passant parce que vous allez comprendre pourquoi. Alors, le SRM ou Sanremo Asica, c'est un couteau de 8,90 pouces. Alors, on est proche du 9 pouces, là, 22,6 cm. La longueur de lame, 3,9 pouces ou 9,9 cm. Le poids, 4,52 onces ou 128 grammes. L'acier, c'est du 154 cm. C'est très bien, c'est un acier haut de gamme. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. L'action, c'est un roulement à billes. La poignée, elle est en titane, comme vous pouvez voir. Très belle poignée en titane. Le style de lame, c'est du tanto. Alors, c'est une lame tanto. Le déploiement, c'est un couteau avec un déploiement avec une gâchette. Alors, vous avez la petite gâchette ici. Pouf! Aussi simple que ça. Verrouillage classique de cadre. OK. Donc, vous avez l'épaisseur de lame 0,12 pouces ou 3,1 mm. Épaisseur de manche 0,42 pouces ou 10,9 mm. Et la largeur totale. Alors, dans son plus large, ici, 1,25 pouces ou 31,8 mm. Le clip est un clip en titane et c'est un clip de port profond non réversible. Alors, si on regarde qu'est-ce que ça donne en poche, c'est quand même très, très bien. Vous pouvez voir, là, il y a très peu qui dépasse. Donc, c'est un très, très bon résultat. Pour ce qui est de l'évaluation maintenant de notre SRM Asica, alors, c'est toujours les mêmes barèmes. 9 et plus, c'est exceptionnel. 8 à 9, c'est un excellent achat. 7 à 8, bon achat. 5 à 7, moyen. Moins de 5, on ne touche pas à ça. Le design, alors, je trouve ça super, moi, comme design, hein? C'est un couteau qui est classique. C'est indémodable, finalement, ce couteau-là. Donc, moi, j'ai mis un 9 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors l'acier 154 cm, comme je vous dis, c'est un très bon acier, c'est très bien, c'est un acier haut de gamme. Roulement à billes, le titane pour le manche, le clip en titane, vous avez aussi l'espaceur arrière qui est en titane. Écoutez, là, 9 sur 10 pour les matériaux. L'assemblage présentation, alors la présentation, vous recevez ça dans une petite boîte ici. Bleu, là, une petite boîte SRM et il y a une petite pochette à l'intérieur, donc c'est bien correct. Vous avez également au niveau de l'assemblage, c'est vraiment sans reproche. L'assemblage est très solide. Le couteau est parfaitement, la lame est parfaitement centrée. Il n'y a pas de jeu de lame, absolument pas. C'est vraiment là. C'est un couteau là, qui est très, très correct au niveau de l'assemblage. Le pivot, c'est pas difficile à ouvrir, c'est très bien ajusté. Donc, au niveau de l'assemblage présentation, j'ai mis un 9 sur 10. C'est vraiment très joli. Vous avez aussi des petites touches de couleur là, avec alentour du pivot. Donc, c'est très joli. L'action, comme vous pouvez voir, elle est excellente. Hein. C'est une action qui se fait très bien à une main. Le couteau est pratiquement fall shot. C'est vraiment un couteau là, qui fonctionne très, très bien. C'est presque fall shot finalement. Ça, il prend un petit peu d'aide, mais pas beaucoup. Donc, c'est très correct. Là aussi, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'action. C'est très fluide.
Le poids, ben écoutez, le poids, étant donné la taille du couteau, le poids, c'est très bien, là. La règle d'une demi est presque respectée. Le couteau est très grand. Là, on parle d'un couteau de 22,6 cm. C'est tout un bœuf, là. Donc, moi, je trouve que le poids de 4,52 onces, ou 128 grammes, est vraiment très, très, très raisonnable. Il y a d'ailleurs, si je me trompe pas, il y a un peu de machinage à l'intérieur, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Je ne sais même pas s'il y en a. Mais en tout cas, le poids est très correct étant donné les dimensions du couteau. Donc, un 9 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, ben, écoutez, elle est excellente. C'est vraiment très, très bon. Il n'y a à peu près pas de hotspot. Il y a de la dentelure ici, comme vous pouvez voir sur le dessus. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Et l'accès à la barre de déverrouillage est également très facile. Ça, c'est important, là. Donc, moi, je trouve qu'au niveau de l'ergonomie, c'est un 9,5, ce couteau-là. On a vraiment une prise en main, évidemment, très complète. Même avec mes grosses mains, il reste de la place en arrière. Donc, c'est vraiment un couteau très confortable, là, et très solide. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben comme je vous l'ai dit, moi je trouve ça très joli, ce couteau-là. C'est vraiment d'une grande élégance. C'est un couteau qui va traverser le temps là, très facilement. L'intégration aussi du trou de lanière, là, j'aime bien ça, comme ça, avec un espacer arrière en titane. Vous avez le trou de lanière ici qui est très, très bien intégré. Il n'y a pas un trou, là, un vulgaire trou qui est fait en arrière là, dans le titane. Ça, je déteste ça, mais intégré comme ça, vraiment, j'ai pas un mot à dire. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, au niveau de l'aspect général, moi, j'ai mis un 9 sur 10 à ce couteau-là. Le prix, ben là, on arrive là, dans les choses sérieuses, là, vraiment. Alors, le prix est formidable. C'est un couteau qui est fait en Chine, ce couteau-là. J'ai payé ce couteau-là il y a un an. Non, excusez-moi, il y a un mois, j'ai payé 135 $. Donc aujourd'hui, ça se vend le même prix, ça, ce couteau-là, mais malheureusement, c'est quasiment introuvable. Et c'est pas pour rien. Un couteau de cette grandeur-là, écoutez, là, à 135 $, poignée en titane, 154 cm, écoutez. C'est un couteau de grande taille, ça. Donc, à ce prix-là, excusez-moi, c'est pratiquement invraisemblable. Alors, j'ai mis un 10 sur 10 pour le prix, là, qui est vraiment quelque chose on voit pas ça souvent de nos jours, là. C'est presque incroyable. Donc, la valeur, bien évidemment, elle est excellente. C'est à peu près impossible de trouver un couteau de cette taille-là en titane à ce prix-là, comme je vous dis, avec la qualité d'assemblage. Alors, c'est souvent, malheureusement, sold out. Moi, j'ai acheté le mien et le lendemain, c'était sold out. Donc, c'est un 10 sur 10 pour la valeur, là. Ça me donne une note globale de 9,27. Pour moi, ce couteau-là est un exceptionnel à ce prix-là. Il n'y a pas à vous poser des questions très longtemps, là. Si vous en trouvez un à ce prix-là, achetez-le d'urgence. Le rapport qualité-prix de ce couteau-là est à peu près imbattable, là. Écoutez, comme je vous dis, il existe une version plus petite, mais elle est vraiment beaucoup plus petite. C'est un couteau qui mesure à même pas 6 pouces ouverts, 7 pouces, c'est-à-dire ouvert, peut-être un 6 pouces et demi. C'est un couteau qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus petit. Il y aurait eu de la place pour qu'il fasse comme un intermédiaire entre le petit et ce grand-là. Ça aurait été un très grand succès selon moi, mais ils l'ont pas fait. Donc, vous avez le choix entre ce grand couteau-là, plein de grandeur, ou un très petit couteau que vous pouvez pas avoir une grippe à quatre doigts là-dessus. Bon, il semble être bien fait aussi, mais moi, je trouve moins intéressant que ce grand couteau-là. Donc, si vous aimez le style, ben évidemment, je vous le recommande très, très, très fortement. C'est vraiment un couteau impeccable, d'un rapport qualité-prix imbattable, comme je vous dis. Et c'est un couteau qui est certifié Jean Haché. Alors, c'est un couteau que je vous recommande très fortement. J'ai oublié, dans ma présentation, mais on peut le faire à la fin comme ça, de vous faire certaines comparaisons. Donc, vous avez le rat numéro 1 ici.
juste pour vous montrer à quel point ce couteau-là est grand. Donc, c'est plus grand qu'un rat. Et vous avez ici le Bestek Swordfish. Swordfish, en tout cas, le poisson, un poisson scie, là, ou sabre. Donc, c'est des très, très grands couteaux. Vous pouvez voir, c'est aussi grand que ce Bestek-là. Donc, c'était vraiment un couteau là, de grande, grande taille, le SRM Asica. Alors, ça vous donne une idée de la grandeur. Et la semaine prochaine, je vous propose un autre client qui n'est pas piqué des verres. Donc, on va parler du Kaiser T1. Alors, ici, j'ai la version du Kaiser T1. J'ai la version en micarta. Alors, c'est une version avec des goujons de pouce. C'est vraiment un couteau là, d'une très belle grandeur aussi, mais plus petit. C'est un couteau de 7,5 pouces. Et c'est le meilleur design du designer allemand Juli Hennecke. Alors, je vous présente ça la semaine prochaine. Un couteau exceptionnel aussi, le Kaiser T1. Alors, ça fait le tour pour notre vidéo cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si oui, continuez à vous abonner en grand nombre et à m'écrire si vous avez des commentaires. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. Bonjour.